Alerte drama! Valérie Pécresse clash Jean-Jacques Bourdin qui est déjà en PLS. Mais ça suffit, c'est quoi, c'est Avengers version femme? Les femmes s'allient pour détruire Jean-Jacques Bourdin. Alors on rappelle que en ce moment, Jean-Jacques Bourdin est dans la sauce parce qu'apparemment il aura fait une agression S sur une journaliste il y a 10 ans ou un truc du genre. Et du coup, la fille elle a porté plainte 10 ans plus tard. C'est tout à fait logique, Oméga Loul. Et apparemment j'ai lu un article d'après les rumeurs, c'était parce qu'elle voulait pas perdre son poste. Et on va voir, apparemment c'est une grosse PLS, j'ai pas du tout vu la vidéo, mais Pécresse détruit Jean-Jacques Bourdin en direct, c'est le clash. Battle Royale en direct, on va voir. Alors, je sais qu'il conteste fermement ces faits, et bien sûr, c'est à la justice de les trancher, et je respecte la présomption d'innocence à laquelle chacun de nos compatriotes... Oh mon dieu, il se retrouve dans la position inverse, c'est horrible. C'est les heures les plus sombres pour Dalibor. Ah non, ça c'est autre chose. Ah, mais d'ailleurs, Psychodélique, il va reprendre la place, vu qu'il est finito Jean-Jacques. Maintenant, ça va être Psychodélique à la place, ça va être bizarre. C'est le GR. Je voudrais le dire très clairement, si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Vous le savez, le combat contre le harcèlement et contre les violences faites aux femmes est un combat. Par contre, les autres, ils peuvent crever, se faire poignarder dans le dos, ça passe. Logique. C'est à regarder ailleurs, à fermer les yeux, à chercher à minimiser. Trop de femmes ont eu peur pendant longtemps, porter plainte. Présidente, tous les Français. Eh bien, fallait faire comme Thomas Sirix. Il fallait porter plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte. Et les hommes qui se font tabasser dans la rue, ça c'est pas grave, ok. Même si on a plus statistiquement parlant, on voit bien où sont les orientations. La loi du silence, c'est fini. Et pour que la parole se libère, eh bien il faut que les femmes se sentent... Parce que c'est comme la queue du chien la parole, elle s'en va et revient. Dire les choses en face. Elle fait sa présidentielle en direct en fait en détruisant Dali Bourdin, mais c'est pas mal, c'est très intelligent en dépit des hantes. Parce que je suis franche et que je suis sans détour. Si je suis ici ce soir, par respect pour vous, les Français, réunis ce soir pour me poser les questions que vous avez préparées depuis une semaine, et donc je suis vraiment là pour vous répondre. La FAQ. Ouais, en fait, c'était pas vraiment une PLS, il était juste en mode Célestin et à rien dire. Oh, je suis un peu déçu, je croyais que c'était une méga PLS, mais bon, en fait, il s'en remettra, je pense. Attendez, c'est parce qu'il y avait une autre vidéo. Valérie Pécresse, j'ai dit de ne pas m'exprimer à ce sujet. Mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail. La France dans les yeux. Porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Nous sommes ici à... En dépit de... Cette Corrèze que... Ah oui, je vois, il tremble. Cette Corrèze dans laquelle vous venez souvent en vacances, Valérie Pécresse. Avec l'argent du peuple, avec mon argent en dépit de... Merci moi, quand même, je suis généreux. Nous venons vers les Français ensemble. Pourquoi? Pourquoi venons-nous les voir? La Primatica. Les Français ont besoin de... Pourquoi? Ou qui nous écouteront plus tard sur RMC à partir de minuit. Hors sujet. Dalibor, défends-toi. C'est qui? Et qui a... Bon, je coupe parce que c'est tout et hors sujet. Qu'en pense l'élite de la nation? J'aime pas Bourdin, mais quelle garce quand même. Aya, cette tête, bordel. La gueule qui tire, hisse. Les regards caméra. Il sait qu'il est déjà dans la demeure. Le clientisme, j'ai presque pitié du pauvre Gourdin. Bourdin. En tout cas, il a fait prout, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, on espère que c'est pas The Rising of the Bourdin Hero épisode 2, avec Malty qui serait la journaliste et Naofumi qui serait en fait Dali Bourdin. C'est un classique maintenant du politique game, ceci. C'est facile pour détruire ses adversaires. Oh, ils ont fait des stickers en plus. La terreur, en dépit des hantes. En tout cas, que pensez-vous? Coupable ou non coupable? C'est juste des théories que vous faites, ne diffamez pas. C'était le Consul Pazon, allez à plus, à Mogus. Couronnement du nouveau Dali Bourdin, vive Dali Bourdin psychodélique en dépit des hantes.